Bonjour à tous. Bonjour à ceux qui sont là en avance à l'heure, etc. Merci d'être ici. Donc, on va passer un bon moment ensemble avec Manuel Dessals. Et donc, on va vraiment commencer dans 5 minutes. On attend un petit peu les retardataires. Je vais peut-être en profiter un tout petit peu pour présenter Manuel, donc Manu pour les intimes. et après, je vous ferai passer un ou deux sondages pour un peu mieux vous connaître. Manu, il a deux casquettes. On va dire, bon, déjà, il est issu d'un master STAPS. Il a fait de la prépa physique, surtout pour les combattants. À côté de ça, il a monté en fait une entreprise de formation pour les coachs sportifs. C'est pour ça qu'il s'y connaît bien dans tout ce qui est business du coaching sportif et la préparation physique, parce que c'est son activité. Il a 31 ans, il est papa de deux petites filles dont il est très fier et il vit à la campagne. Donc bonjour Manuel. Salut Frédéric, bonjour tout le monde. Merci, en effet c'est à peu près ça, ouais. Donc, juste pour vous connaître un petit peu mieux et peut-être adapter un petit peu ce qu'on va dire, on va vous faire passer deux sondages très courts dont vous aurez accès d'ailleurs. Je vous montre le premier, comme ça vous êtes. Le premier, c'est pour savoir où vous en êtes, si vous êtes actuellement en cours de formation, coach depuis un an, depuis plus d'un an, etc. Donc, je vous partage le sondage. Et je vous laisse y répondre. Voilà, je vois que vous avez trouvé le chat. Merci. Hop. Bonjour. Voilà, je vois qu'il y a Jackie qui a dit bonjour au sondage. Alors, au niveau des sondages. Ok, bon, pour l'instant, vous êtes un tiers. Il y en a qui sont en cours de formation, diplômés depuis moins d'un an, diplômés depuis plus d'un an. Donc, c'est cool parce que, a priori, ça va être intéressant pour ces trois publics. Hein. Oui. Voilà, j'invite ceux qui n'ont pas encore répondu à répondre parce que c'est toujours plus intéressant d'avoir un peu plus de réponses. Voilà, on est vraiment un tiers. Ouais, pour l'instant, voilà, je vois qu'il y en a qui continuent à répondre. Donc je vous laisse répondre parce que je vois que tout le monde n'a pas répondu. Et normalement, hop, je crois que tout le monde a accès de toute façon en direct. J'ai pas besoin de faire autre chose. J'en profitais du coup pour faire le second sondage. Le second sondage, c'est plus pour connaître vos revenus moyens. Comme ça, pareil, ce sera intéressant pour Manu pour pouvoir vous aider. Donc, je vous le partage également. Donc, c'est pour savoir, voilà, en gros, vos niveaux de revenus moyens aujourd'hui, voir où vous en êtes. Je vous laisse répondre, de toute façon c'est anonyme, hein. On ne sait pas qui répond quoi, mais nous ça nous aide un petit peu à connaître les montants des revenus. Exactement, on va parler revenus un petit peu. Ok, ouais, donc il y en a un peu plus qui ont moins de 1000, etc. Il y en a quand même entre 2 et 3 000 euros. 1 000 euros, ok, ça marche. Bon, normal, en général, ceux qui font plus de 5 000 euros, ils ne viennent pas forcément… Enfin, quoique, si, parce que… ceux qui font beaucoup de revenus, justement, ils sont beaucoup taxés. Donc, c'est là où c'est également très intéressant. Mais c'est bien de le voir en amont. Donc, OK, donc on a 57% des gens qui ont moins de 1 000 euros par mois. Après, environ 30% entre 1 000 et 2 000 euros par mois. Okay, ça. Bon, bah, merci d'avoir partagé cela. Ah, bah, tu vois, il y en a d'autres qui ont répondu sur le… Ouais. On est vraiment un tiers. OK, bah, en tout cas, merci d'avoir répondu. Donc, bah, je vois qu'il est 15h04. On va démarrer. Je te laisse, Manu, du coup, partager ouais. ton ta ça présentation. Marche. On va parler. Donc, ça va durer environ. On va être sur trois quarts d'heure maximum sur vraiment toutes les pratiques, sur les 24 pratiques qu'il représente, ainsi que sur la présentation un petit peu de ce qu'il propose pour accompagner les coachs sportifs. Et après, le dernier quart d'heure, on le gardera pour les questions-réponses. Si jamais il y a des questions qui sont directement en lien avec ce que Manu est en train de parler, moi, du coup, je vais poser vos questions en parallèle parce que Manu n'a pas là vraiment
accès aux questions. Donc, je vais lui poser. Par contre, si vos questions n'ont rien à voir avec la présentation, on y répondra plutôt sur la fin. Voilà. J'espère que c'est bon pour vous. Yes. Ok, donc merci Raphaël pour indiquer que tu es en formation prochainement. Ok, donc là tu t'y prends vraiment en amont, bah, c'est très bien, hein. Franchement, plus on s'y prend en amont, plus intéressant, moi tu partiras avec les bonnes bases dès le départ. À toi la parole, Manu. Ouais, ça marche. Bah, avant d'attaquer, voilà, je voulais rebondir sur vos petits sondages justement. Comme disait Frédéric, quand on gagne plus, on s'intéresse à ce moment-là, on se dit bon, il faut que je sois moins taxé. Pourtant, le meilleur moment, même financièrement parlant, on va le voir, eh ben, c'est plutôt au début. C'est plutôt au début parce que c'est là qu'on a plus le marge de manœuvre et c'est là que ça fait le moins mal. Parce qu'optimiser, on va voir qu'on n'optimise pas l'argent qu'on gagne, on optimise la structure dans laquelle on fait rentrer l'argent. Et donc, si on est parti depuis 4 ans, depuis 5 ans, à travailler avec une structure et une façon de travailler qui ne me permet pas d'optimiser, bah, l'effort sera plus difficile pour casser et reconstruire les choses que si on s'y prend plus tôt et que ça dure des années derrière. Donc, en effet, il y en a pour tous les goûts, j'ai envie de dire. Que vous soyez bientôt lancé ou lancé depuis peu, c'est totalement pour vous, et que vous ne gagnez pas beaucoup ou beaucoup, c'est aussi pour vous. On va parler du coup de 24 pratiques qui permettent aux coachs sportifs d'économiser, j'enlève juste le petit truc qui me gêne de partage d'écran, 7 352 € chaque année. Alors, 7 352 € chaque année, ce n'est pas un chiffre sorti de ma poche. Il n'est pas très à jour non plus, je vous l'avoue. C'était la moyenne en janvier des résultats obtenus de toutes les personnes qui sont passées par l'optimisation, qu'on a eu la joie d'accompagner là-dedans. Et vous voyez, ça monte à du 18 000 par an d'économie, du 12 000, du 6 000, du 8 000. Et bien sûr, il y a quelques 3 000, 4 000 qui font que la moyenne se situe autour des 7 352 € par an. Des économies de quoi ? Des économies d'URSSAF, des économies d'impôts, se rendre éligible à toucher des primes pro et bien d'autres. On va voir justement aujourd'hui ces fameuses 24 pratiques, sur quoi elles jouent. On va pouvoir creuser ce sujet-là. À travers cette présentation, j'espère en tout cas vous faire découvrir quelque chose qui change la donne, un nouvel angle de vue, une nouvelle façon d'entreprendre qui vous permet d'aller chercher ça, mais au-delà de cet argent, vous allez voir que c'est vraiment une attitude d'entrepreneur à adopter pour qu'on puisse aller chercher ses résultats à travers ces 24 pratiques. Avant, pour étayer un peu ce que vous disiez Frédéric et pour que vous sachiez à qui vous parlez, moi c'est Manu, je préfère Manu. Je suis en effet formé Master Staps, préparateur physique de formation. Je suis parti à Paris faire mes armes dans le MMA, le rugby, plusieurs sports de haut niveau. Et en parallèle, on le voit en bas à gauche avec la dame notamment, tout ce qui va être coaching sportif santé. Puis ça a grandi, j'ai délégué le sport santé, donc j'ai une entreprise avec plusieurs coachs qui s'occupent de tout ce qui est sport santé, et je garde la prépa physique puisque c'est mon cœur de métier, puis la formation s'est développée. À l'époque où j'étais à Paris, le problème, on le voit avec la vidéo du centre, pourquoi en fait j'en suis arrivé là ? Je courais partout. Le midi, je m'arrêtais dans un parc avec mon vélo électrique qui était mon véhicule de l'époque, je mangeais un sandwich, j'enchaînais parce que j'aimais bien dire les URSSAF aux fesses. Je courais partout, plus je faisais rentrer de l'argent, plus j'avais aidé URSSAF et le loyer parisien, vous imaginez, pour ceux qui sont à Paris, et j'en passe. Et donc, plus il fallait que je cours partout, et c'était un rythme infernal. J'étais toujours, j'ai pas le temps, je disais ça à tout le monde, j'ai pas le temps, je cours partout, je coach, j'ai pas le temps. Et clairement, j'étais avec ma femme à cette époque-là, on voulait faire une famille, c'était pas possible. Le rythme de vie, c'était beaucoup trop dur, et j'étais surchargé d'URSSAF et d'impôts, et de TVA qui arrivait plus tard, et de frais pro, et j'avais pas d'aide, et j'en passe. Donc j'ai dit, je ne peux pas continuer comme ça. En gros, j'ai des trous dans les poches. Je fais rentrer 3 000, je fais rentrer 4 000 et il en sort au moins la moitié. Donc, ce n'est pas possible. Et j'ai mis en place l'optimisation. L'optimisation dont on va parler, les fameuses 24 pratiques, on les adopte, on les automatise et derrière, ça tourne tout seul. Ça aide aux yeux d'une banque. Je ne pouvais pas acheter avant. Là, on a notre maison maintenant. J'avais eu refus sur refus. Aujourd'hui, ça date aussi. Il y en a 6 de plus, mais j'ai bientôt 20 biens immobiliers. Parce que les banques me suivent, ce n'est pas pour dire « regardez mon patrimoine », c'est pour dire « les banques reconnaissent ce système-là ». Et après, ça s'automatise, ce qui fait que d'année en année, les gains, 7 352 par an, et au bout de 2 ans, c'est 14 000 d'économies, au bout de 4 ans, c'est 28 000 et j'en passe. Donc, les stratégies possibles sont ensuite infinies. Ensuite, il suffit de s'éduquer un peu financièrement et ça change totalement une vie. Nous, on a fait des voyages qu'on n'aurait jamais imaginé faire avant. Et on a pu élever notre niveau de vie grâce à ça. Donc, c'est un petit peu comme faire des travaux.
faire la chape d'abord, vraiment bien préparer son terrain, prendre un petit peu plus de temps pour ça. Mais derrière, la construction de maison, c'est comme quand vous regardez autour de vous, vous passez vers un chantier, ça avance jamais, ça avance jamais, poum, et d'un coup, il y a des murs et un toit. Ben, en fait, pendant tout ce temps, les ouvriers préparaient le terrain. Ben, l'optimisation, c'est un petit peu ça. C'est la même chose. C'est un petit peu invisible, on prépare le terrain, mais derrière, du coup, tout s'accélère beaucoup plus vite pour les années qui suivent. C'est la même chose, donc moi c'était mon cas, mais c'est la même chose pour d'autres profils encore que je vous montre ici qui sont passés par l'optimisation. On a Bilal d'ailleurs qui est préparateur physique, on se connaissait un petit peu déjà. Sport santé pour Renault, sport sur ordonnance précisément, sport en salle de fitness et à domicile. On a vraiment un petit peu de tout, totalement 100% club ici pour Sébastien. Kevin fait un peu de tout aussi. Bon, et les économies, vous voyez, peu importe en fait chez qui on bosse et peu importe combien on gagne. Pour vous donner une idée, Renault, je crois qu'il est à 2000 et quelques par mois. Bilal un peu plus. Sébastien commençait à peine, il était en dessous des 1000 par mois. Il était en dessous des 1000 quand il a terminé le cursus. Ici, on était sur un peu moins de 2000. Bon, on a vraiment tous les niveaux de revenus et ça marche pour tout le monde. Aujourd'hui, du coup, il y en a peut-être certains, c'est pour ça que je vous l'ai mis là, qui ne pourront pas rester jusqu'au bout. Je sais comment marchent les webinaires. Donc, je vous spoil un petit peu. On va voir les 24 pratiques, par quoi elles passent. On ne va pas pouvoir rentrer dans le détail de toutes. Pour autant, je vous offre avec mon équipe ce petit audit. Il suffit de scanner ça pour prendre un rendez-vous. C'est un audit qui va permettre de voir, OK, votre situation, c'est quoi? C'est un audit, ça porte bien son nom, un débrief de votre situation. On le met au regard de tout ce qu'on est capable de faire et vous en ressortez avec l'info, OK, toi, ton potentiel d'optimisation chiffré par A plus B, c'est des textes de loi, c'est noir sur blanc, ça se calcule très précisément, c'est tant d'euros d'économie par rapport à ce que tu me dis de ta situation d'aujourd'hui. Et après, bah, vous partez avec cette info-là, vous creusez l'info, vous reprenez rendez-vous. Sur ce rendez-vous, la consigne de mon équipe n'est pas de vous vendre quoi que ce soit, mais de vous informer. Donc, vous aurez l'information et après, bah, vous décidez de vouloir creuser avec eux donc, sur un autre rendez-vous, parce que je leur interdis sur ce premier, ou de ne pas creuser et de revoir ce webinaire et d'essayer de creuser. On est parti, du coup, sur ces 24 pratiques. Comment on fait ça, en fait? Avant de commencer, il faut savoir que ça se joue l'optimisation sur quatre aspects, le statut juridique, les pratiques qu'on va voir aujourd'hui de défiscalisation, on va se centrer sur ça, et derrière, vraiment, à partir de la défis, qu'on passe dans l'optimisation. La différence, on en reparlera un peu à la fin, la défiscalisation, c'est je sais tout ce qu'il m'est possible de faire et j'en fais le maximum pour économiser un max, peu importe les conséquences. Vous avez compris, comme je vous le dis comme ça, ce que va être l'optimisation. Bah, l'optimisation, c'est ensuite, bah, j'ai mes 24 pratiques possibles. Moi, j'ai mes objectifs de vie, j'ai mes objectifs de famille, j'ai mes objectifs financiers. Et ben, je vais pouvoir voir en maîtrisant le sujet que peut-être pour mes déplacements, dont on parlera tout à l'heure, j'ai trois façons de réduire mes URSSAF en échange de mes déplacements. Il y en a une qui est bien aimée par les banques, il y en a deux qui ne sont pas aimées par les banques. Et celle qui est bien aimée par les banques rapporte peut-être moins, mais au moins, je peux aller faire un crédit à la banque. Donc, ça va dépendre de mes projets, on va devoir adapter ça et là, on rentre dans l'optimisation. Aujourd'hui, on va se centrer déjà sur les pratiques de défiscalisation, indépendamment du statut et de l'optimisation. Ce qu'il faut savoir, pourquoi le sport, on est dans une niche très spécifique. Parce que ce qu'on a le droit de faire, comment on fonctionne, comment on est taxé, quelles règles en fait sont derrière tout ça, c'est issu de, il y en a même quatre, là j'en ai mis que trois, du Code général des impôts. On va avoir des droits qu'on va pouvoir aller chercher dans le Code général des impôts qui sont plutôt généraux, donc on va profiter de ça dans les 24 pratiques. On a des droits spécifiques au BNC. Quand on est coach sportif, on est prestataire de service en BNC, bénéfice non commercial, et on a des pratiques et des droits spécifiques au BNC qu'on peut aller chercher. On a des droits spécifiques au Code du sport. Alors là, on peut pas être plus spécifique puisqu'on est dans le sport, notamment sur les exonérations de CFE, de TVA qu'on va voir tout à l'heure. Et il y en a un quatrième, c'est les droits du Code de la Sécurité sociale, mais très souvent qui sont en corrélation avec le CGI, parfois non, mais j'aurais pu le mettre aussi du coup au niveau du code de la sécu sociale, purement URSSAF et retraite, où aussi on a des droits spécifiques en tant que prestataire de service. Donc on ne le sort pas de notre chapeau, et donc dans tous ces codes-là, c'est quatre, j'en ai présenté trois, mais il y en a quatre, et ben on trouve diverses pratiques dans divers codes qui sont toujours de la même façon, c'est si tu fais ça de telle façon à tel moment de l'année, alors tu as tel droit. Et autrement dit, bah, si tu ne le fais pas, tu ne l'as pas. Mais si tu le fais, ça marche. C'est du texte de loi, c'est A plus B. D'ailleurs, je vais vous montrer certains textes juste après. Et ces 24 pratiques nous permettent bah, de réduire les URSSAF, de réduire les impôts, toucher des primes pro, s'exonérer de taxes, et j'en passe. Donc, vous avez compris d'où viennent ces 7352. Même si vous les gagnez tout juste à l'année, vous pouvez avoir 7000 d'économies parce qu'il y a des primes qu'on touche parfois et des crédits d'impôts aussi qui sont de l'argent qu'on reçoit en plus de ce qu'on facture. On est parti pour les 24 pratiques. Au début,
je vais pouvoir vous présenter certaines en détail parce qu'elles ne dépendent pas de votre statut, elles ne dépendent pas de votre chiffre, c'est tout ce qui est un petit peu, on va dire, forfaitaire ou pratique générale. Et donc, je vais être ravi, vous pourrez les copier-coller, les textes, les courriers à faire que je vais vous montrer. Vous n'avez qu'à les copier-coller, les mettre en place et vous allez voir que ça marche pour vous aussi. Plus on avance, plus on va sur les pratiques qui nécessitent ce petit audit parce que qui dépendent de votre situation de famille, de votre situation de déplacement, de la ville où vous vivez et j'en passe, d'où ce petit audit. Première, COP. Donc, s'exonérer d'URSSAF la première année, vous connaissez tous l'ACRE, enfin ou pas d'ailleurs peut-être, puisque je vois qu'il y en a qui ne sont pas encore lancés. Quand on se lance en indépendant, on peut demander l'ACRE. L'ACRE, ça peut aller sous certains statuts. Donc, sur l'auto-entreprise le plus connu, c'est 50% de réduc, mais sous d'autres statuts, ça peut aller jusqu'à pendant un an, pas d'URSSAF du tout, une exonération totale. Donc ça, c'est très simple. Quand je me lance, je demande l'ACRE et en fonction du statut que j'ai, et puis de ma situation, elle est accordée ou pas, mais c'est une case à cocher, donc je ne vous ai même pas fait de tuto sur ça. En tout cas, la première année, quand j'ouvre une entreprise, je peux demander l'ACRE dans les 45 jours qui suivent l'ouverture de l'entreprise. Donc profitez-en, ne vous embêtez même pas à chercher si vous rentrez dans les conditions, vous cochez la case, ils vous le diront si vous n'êtes pas dedans, c'est le plus simple. La RC Pro. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais la RC Pro, quand on est éducateur sportif ou animateur sportif, elle est obligatoire. Non pas parce qu'on est indépendant, mais parce que le code du sport nous oblige d'avoir une RC Pro. Une RC Pro, ça va de 75 euros par an jusqu'à 300. J'en ai même vu des devis à 600, mais j'ai vu personne les signer, ces devis-là. Et pour un coach sportif indépendant, jusqu'à plusieurs centaines par an, pour les mêmes garanties, parce que j'ai bien détaillé les garanties, je vous assure qu'on a le temps de rester à 75 par an. Ça se passe chez la MAF. Vous allez chez MAF Pro, enfin chez MAF, et vous allez dans l'intitulé Pro sur Internet et vous faites une demande de devis RC Pro. Il y a toujours une petite subtilité, c'est pour ça que ce n'est pas connu tant que ça. La petite subtilité, c'est que quand vous allez faire une demande de devis RC Pro, ils sont malins les assureurs, ils vous mettent une RC Pro, mais au sein d'une multirisque. Donc ils vous assurent, ils vous font une ligne comme celle-ci, RC Pro. Moi, elle était à 77, il y en a qui l'ont à 76, ça dépend, je pense, de vos villes. Bon, ils vous font une ligne RC Pro. Une deuxième ligne que vous voyez, moi j'ai gardé l'assistance aux personnes et l'assistance juridique parce qu'elles ne coûtent pas grand-chose, elles peuvent servir, ce qui augmente un peu le devis. Mais souvent, ils vous font d'autres lignes en dessous pour assurer du matériel, assurer un local et vous vous retrouvez en effet à 300. Mais toutes ces lignes que vous n'avez pas demandées, il suffit d'un mail pour dire « je voudrais seulement un devis RC Pro », pouf, ils vous enlèvent tout, ils vous gardent la RC Pro à environ 75-80 euros l'année. Okay. Parfois du premier coup, si la personne qui traite a compris que c'était votre seule demande, la RC Pro, et parfois avec un deuxième mail en disant merci, mais je ne veux pas de toutes ces options dessous, je voudrais seulement la RC Pro à 60, vous la verrez, hein, le tarif dessus sur la ligne, et boum, et on est à 75 euros l'année. Donc parmi vous, s'il y en a qui ont une RC Pro déjà et qu'elle n'est pas à ce tarif-là, je veux bien savoir votre tarif. Si vous n'en avez pas, sachez que c'est une obligation du code du sport pour les éducateurs sportifs indépendants. Pareil pour la CFE, dites-moi si vous en avez ou pas, ceux qui se sont lancés récemment, si vous êtes à votre compte bien entendu. La CFE, c'est la cotisation foncière des entreprises, on va pouvoir également s'en exonérer. Alors, théoriquement sous condition, on va voir lesquelles. En pratique, ce qu'il faut savoir avec les instances, c'est qu'ils ne connaissent pas souvent eux-mêmes à fond les textes. Il ne faut pas faire n'importe quoi pour autant. Mais vous allez pouvoir faire la demande en bonne et due forme. C'est comme pour l'ACRE, hein, je vous dis, faites la demande. Et parfois, ils vont vous l'accepter alors qu'elle n'aurait pas dû. Donc, quand c'est des demandes comme pour la CFE qu'on va voir qu'il s'agit juste d'un courrier à faire et pas des déclarations, faut pas. Pour un courrier, j'ai envie de vous dire, faites le courrier. S'exonérer de CFE, comment ça marche? N'hésitez pas à m'arrêter si je vais vite, j'en ai beaucoup à vous présenter, c'est pour ça. Ça, c'est un extrait du BOFIP. Pour ceux qui ne connaissent pas le BOFIP, c'est le texte qui interprète les textes de loi, le BOFIP. Donc, vous avez le Code général des impôts qui dit quelque chose. En général, il essaye de ne pas s'épancher, bien que ce soit long, sur le Code général des impôts, ils essaient de pas développer. Et vous avez le BOFIP qui fait 10 fois plus de pages, qui interprète le Code général des impôts. Et donc, le BOFIP, pour tout ce qui va être l'article que vous retrouvez dans le Code général des impôts, 1460 du Code général des impôts, l'article 1460 du Code général des impôts. Qu'est-ce qu'il dit dans son paragraphe numéro 3, ça dit que les professeurs de lettres, de sciences, j'en passe, sont exonérés de CFE lorsqu'ils sont salariés, sont placés, on s'en fout. Hop, sont exonérés ceux qui enseignent la littérature, les langues, le dessin, la peinture, la musique, le chant, ça je ne sais pas ce que c'est, la déclamation, si vous connaissez, je suis curieux, la danse, la culture physique, la gymnastique et les sports en général. Donc, sont exonérés de CFE ceux qui enseignent tout ça. Sauf que comme toujours, dans le code général des impôts, dans le code du sport, dans ce que vous voulez, dans les textes, c'est à vous d'aller les chercher parce que d'office,
Ils ne vont pas regarder qui vous êtes quand vous vous inscrivez, dire « Ah non, mais fais attention, lui, il est exonéré, c'est à vous d'aller le demander. » L'exonération n'est accordée, c'est là les conditions, que si les profs, donc vous, éducateur sportif, vous dispensez votre enseignement sportif, soit au domicile de l'élève, soit à votre domicile, soit dans un local, mais dans ce cas, il doit être dépourvu d'enseigne et ne pas comporter un aménagement spécifique. Donc, si vous coachez au sein d'un club de fitness que vous louez, au sein de je ne sais quoi, ça ne marche pas. Il faut, par exemple, une salle municipale d'association, le truc avec le standard minimum et que ce ne soit pas écrit coach, je ne sais pas, j'avais un prénom, il y avait qui tout à l'heure, peu importe, coach Christophe, en gros, avec vos horaires de cours, etc. Parce que là, ça devient du commercial, donc ça ne marche plus. Mais ça marche même si vous avez une salle classique dans laquelle vous donnez cours. Il y a même un exemple, je pense, voilà, avec la danse, vous pourrez le relire, il y a un exemple avec la danse qui prend une salle de danse avec le strict minimum pour faire de la danse, mais ce n'est pas en gros une salle de danse, c'est une salle qui peut servir à autre chose, il y a de quoi enseigner la danse, mais sans plus. Pour aller la chercher, cette exonération de CFE, vous faites ce courrier. Voilà. Vous prendrez le replay si je vais trop vite, vous ferez un arrêt sur image, envoyez ce courrier et en quelques semaines derrière, ils vont vous répondre, on vous a exonéré de CFE, on vous rembourse même les années d'avant. Par la présente, j'ai mis une demande d'exonération de cotisation foncière pour mon activité. Ici, vous allez chercher votre SIE, Service des impôts des entreprises, sur Google, SIE plus votre ville et vous allez trouver l'adresse de votre SIE. Ah, ville, machin, ça c'est vous. En effet, j'exerce mon activité d'enseignement de cours de sport et là, vous mettez soit directement en clientèle, soit dans un local dépourvu d'enseigne. Enfin, en quoi ça correspond au texte qu'on a vu juste avant. Et vous pouvez garder, si ça fait quelques années que vous en payez, cette phrase-là qui demande à revenir sur les années précédentes. Et c'est là que je vous dis, vous êtes vague, vous dites « je veux revenir sur les années précédentes ». La loi, normalement, vous autorise à revenir un an en arrière pour la CFE et pour d'autres taxes, 3 ans en arrière. Mais pour la CFE, un an. Ben, vous allez peut-être tomber, c'est arrivé chez nos VIP, sur quelqu'un qui a juste laissé cette phrase et qui s'est vu rembourser 3 ans de CFE parce qu'en face, la personne elle-même ne savait pas que pour la CFE, il y avait une exception et que c'était qu'un an en arrière. Donc des fois, ben, voilà, vous faites juste vous, votre courrier, vous n'êtes pas fautif de rien, vous avez demandé les années vaguement précédentes, ils vous en ont accordé 3, et ben, tant mieux pour vous, j'ai envie de dire. Voilà, c'est un petit courrier à faire en citant l'article, bien entendu, en citant pour quelle raison on correspond à cet article. Et vous voilà exonéré de CFE. Se faire payer le coût de ces formations, vous connaissez le CPF, je suppose. Le CPF, ça fait pour les salariés, ça fait pour les indépendants. En tant qu'indépendant, vous avez également d'autres budgets. Vos URSSAF, en fait, quand on paye des URSSAF, c'est pas juste pour payer, c'est pour certains droits. Donc, vous connaissez pour la sécu sociale, pour la retraite, mais on paye aussi pour des droits à la formation. En tant qu'indépendant, la différence du CPF, c'est que ces droits à la formation, lorsqu'ils ne sont pas utilisés en cours d'année, ils disparaissent. Ils ne cumulent pas d'année en année comme le CPF, ils disparaissent. Et là, ça va de 750 euros à 3000 euros qui, chaque année, s'ils ne sont pas usés, on n'a pas 6000 l'année d'après, 3000 plus 3000, on a 3000 de nouveau et les 3000 de 2022, ils disparaissent, tant pis pour eux. Donc, autant les utiliser, surtout que vous allez voir plus loin qu'en plus de se faire payer le coût des formations, on peut se faire payer le temps passé en formation, donc on gagne de l'argent à se former. Hop. Un compte pro, alors pour ça, je ne rentre pas dans le détail parce que pareil, ça va dépendre de vos attestations URSSAF, savoir chez qui vous êtes et comment se fait la procédure, voie électronique, voie dématérialisée, etc. Un compte pro, on va y passer vite parce que d'après le sondage qu'on a fait, ce n'est pas sûr que vous en ayez un et ce ne serait pas votre dépense principale. Mais plus tard, si vous voulez un compte pro, quand on facture des entreprises, c'est plus sérieux et c'est plus facile de démarcher une entreprise quand on a un nom commercial et un compte à ce nom-là. Plutôt qu'un compte, on leur demande un paiement sur le compte qui a mon prénom. Une entreprise, elle ne trouve pas ça très sérieux, elle flippe un peu. C'est bien d'avoir un compte pro. Et ben c'est possible d'en avoir à 9 euros chez Boursorama. 9 euros par mois. Et en plus, à l'ouverture, vous gagnez une centaine d'euros. Vous mettez juste ce code-là pour la prime de bienvenue. Et comme ça, vous avez vos 100 euros offerts. Vous avez le compte personnel chez Boursorama qui peut servir aussi, qui est gratuit. Et vous en servez de compte pro jusqu'à que il faudra que vous ouvriez un compte pro. Et là, vous passerez à 9 euros par mois plutôt que 30 et quelques chez des banques physiques. C'était un petit tips. On rentre un petit peu plus dans le concret. La TVA, ça ne va pas vous parler tout de suite, donc on ne va pas s'épancher non plus. Mais en gros, vous avez un plafond. La TVA, ce n'est pas parce qu'on est auto-entrepreneur, qu'on n'en a pas ou des choses comme ça, c'est parce qu'on gagne moins que le plafond qui est aujourd'hui à 38 100. Le jour où je gagne plus, je dois payer de la TVA. Sauf que je peux soit repousser ce plafond de TVA,
Là aussi, c'est l'audit qui va nous dire en fonction de qui vous facturez, depuis combien de temps et comment vous procédez à la facturation. Mais repousser ce plafond, voire même s'exonérer totalement de TVA. Donc plutôt qu'à partir de 38 000, on me demande 20% de tout ce que je gagne de taxes en plus, c'est la TVA, et bien là, on ne me demandera pas ces 20%. Donc, par contre, la TVA, c'est le revenu principal de l'État. On rentre typiquement, comme je vous disais au début, dans les choses qu'il faut préparer. Le jour où on m'appelle de la TVA, et ben là, on est en train de se battre avec une VIP qui a attendu un an avant de. Elle nous connaît depuis un an, mais elle a attendu un an. Ah, j'ai ma TVA, il faut qu'on fasse quelque chose. Et ouais, mais pour justifier de la TVA, si vous voulez, de l'exonération, il faut depuis un certain temps, au moins un an, on conseille, mais peut-être moins, mais au moins un an, travailler dans les règles de l'exonération de TVA. Donc, la façon dont je contractualise les clients, qu'est-ce que je vends concrètement et à qui je le vends. Donc, c'est le petit audit qui nous permet de faire ça. Mais si je le fais pas avant d'en arriver à la TVA, bah, c'est très dur de revenir en arrière parce que c'est le revenu principal de l'État. C'est comme si vous, on vous disait, vous gagnez 2000 euros par mois, un mois, deux mois, 12 mois. Et après, on vous dit, oh là là, mais je veux revenir sur vos 12 mois à 2000 euros. Là, rendez-moi 500 euros par mois. Ça fait un peu mal aux fesses. Donc, l'État non plus, il a pas envie et c'est beaucoup plus dur. S'exonérer de TVA sur les prestations. Pareil, selon l'identité du client, l'adresse du client, c'est ce que je vous disais, on peut repousser les plafonds ou s'exonérer totalement. On passe vite car elle ne vous concerne pas encore aujourd'hui. Et s'exonérer de TVA sur les achats, ça peut vous concerner. Vous allez acheter du matériel pour votre activité, par exemple. Tous les achats qui vont se faire auprès, aujourd'hui c'est possible, mais de prestataires qui n'ont pas une immatriculation de société en France, même s'ils ont une antenne en France, vous allez pouvoir vous exonérer de TVA dessus. On rentre dans les trucs un peu plus sympas, mais dans les trucs que je ne vais pas pouvoir beaucoup creuser avec vous. Et j'en suis navré, parce que ça va là aussi beaucoup dépendre de votre situation. Les vacances, en tant qu'indépendant, vous allez pouvoir économiser au niveau professionnel des URSSAF et des impôts en échange de vos loisirs vacances. Moi, j'ai emmené mes filles à Disneyland, c'était l'an passé, je crois. En gros, quasiment tout frais payé par les URSSAF et les impôts. En gros, c'est en passant par des prestataires intermédiaires qui vont dépendre de votre statut, lesquels ce sont et les conditions. Ça va dépendre de votre statut et de votre ancienneté. Mais en passant par des intermédiaires, vous allez pouvoir faire une dépense perso sur le pro et donc déduire. Je ne sais pas, 200 euros de Disneyland, il n'y aura pas d'URSSAF et d'impôts alors que vous les avez gagnés, ces 200 euros à la base, mais il n'y aura pas d'URSSAF et d'impôts dessus côté pro. Et c'est pareil pour les prestataires de plaisance. Vous allez pouvoir vous faire payer, entre guillemets, par les URSSAF, la cantine des enfants, la femme de ménage, le jardinier, etc. Un peu de la même façon évidemment, en passant par des intermédiaires, vous n'aurez pas d'URSSAF, pas d'impôt dessus. Et au-delà de ça, j'ai dû vous le mettre là, vous toucherez même des primes parce que vous créez de l'emploi. Donc ça, c'est la déduction, c'est-à-dire que je ne sais pas, je gagne 1000 euros dans ce mois-ci, mais j'ai fait appel à 400 euros de prestataire entre la cantine des enfants et la femme de ménage, et j'aurai des URSSAF et des impôts que sur 600. Et c'est légal, alors que je gagne 1000 à la base de chiffre d'affaires. Bon. Et ça, c'est pour dire que en plus d'avoir des impôts et des URSSAF sur 400 de moins, j'ai créé de l'emploi, donc je peux aller toucher dans l'année jusqu'à 600 euros de prime de l'État parce que j'ai créé de l'emploi. Ok. Juste une petite question. C'était Sacha qui demandait tout à l'heure, en fait, à combien s'élève en moyenne la CFE ? La CFE, pour un coach sportif indépendant, c'est 250-350 entre ces eaux-là par an. Donc, c'est des centaines d'euros en général. Après, si vous avez un local, si vous travaillez dans un local, là, ça augmente. Si vous travaillez à domicile, c'est dans les minima, donc c'est 250-300. Puis dès qu'on va dans les locaux, nous, on a un studio, ça monte à 1000 et ça dépend de la ville. Mais la CFE, c'est un peu barbare, bâtard, parce que ça dépend de votre... C'est une taxe locale. Et vous avez des municipalités, vous allez dire, mais moi, ils ne m'en ont jamais appelé parce qu'il y en a qui appliquent la politique de pas la première année d'activité. Et d'un coup, la deuxième. Il y en a qui disent pas les indépendants, jamais. Donc, vous n'en aurez jamais. Il y en a qui disent pas pendant 3 ans. Et ça arrive au bout de 3 ans. Et c'est vraiment la municipalité qui gère ces conditions-là. Mais 80% du temps, la CFE vous sera appelée tôt ou tard. Et c'est plutôt, si on est indépendant sans salle, des centaines d'euros. Si on a une salle, ça s'approche des 1000. Je vois qu'il y a eu un petit couac quelque part. Je reviens. C'est pas grave. Ouais, je l'avais mis en 24. Donc, les primes dont je vous parle là, ce n'est pas tant les primes pour la création de l'emploi, elles arrivent en pratique 24, c'est encore autre chose, c'est les primes parce que vous bossez. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous bossez mais que vous gagnez en tant qu'indépendant moins de 2000, après ça dépend de votre situation de foyer, donc je ne peux pas vous faire de calcul,
Si vous êtes marié à quelqu'un qui gagne 5 000, vous n'aurez pas de prime, c'est le foyer. Mais vous pouvez toucher des primes pour vous aider en fait à continuer à vous lancer. Et quand on est indépendant, ce n'est pas comme quand on est salarié. Le chiffre d'affaires qu'on va gagner, pour une fois, l'État est un peu avec nous aussi. Ils se rendent compte qu'il y a des charges et des choses dessus. Donc même quand on gagne 2 000, à leur sens, on a besoin encore d'une aide. Moi, à Paris, ma première année à Paris, quand je me suis lancé, j'ai commencé avec des remplacements, des choses comme ça. Au bout de 3-4 mois, j'avais mon 2 000 par mois et je touchais quand même 150 par mois de primes. Donc, c'est des choses sympas à aller chercher. Ça dépend du foyer. S'exonérer totalement d'impôts, c'est pareil. Ça, c'est possible que pour ceux parmi vous qui... Enfin, sauf si par chance, vous avez bien fait les choses. Ça dépend de votre commune d'implantation et de la période d'ouverture de votre entreprise. Mais en gros, vous n'avez pas encore d'entreprise, et ben on va pouvoir voir en fonction d'où vous vivez les conditions pour aller chercher une exonération pendant 5 ans d'impôt sur le revenu. Si vous avez déjà ouvert l'entreprise, cette aide, ça va être très compliqué, sauf si vous l'avez ouvert récemment et que ben, par chance, on a fait les choses comme il fallait, que ça rentrait dans le cadre, mais ça s'étudie quand même. On peut s'exonérer d'impôt totalement pendant 5 ans et avoir des réductions de 3 ans de plus. La compta, je pense que peu d'entre vous ont un comptable aujourd'hui. Mais si on veut aller chercher les 24 pratiques, on peut aller en chercher une dizaine sans comptable, enfin sans comptabilité. Si on veut aller chercher les 24 pratiques, en échange, il faut faire patte blanche, il nous faut une comptabilité. Il faut présenter à l'État et aux banques, c'est ce qui fait que les banques nous suivent aussi, de toute façon, après, derrière, pour des crédits, des documents comptables type. Des documents comptables, comme un comptable pourrait les éditer, sauf qu'aujourd'hui, bah, en tant que coach indépendant et avec un système très simple, hein, l'argent rentre, l'argent sort et basta, il n'y a pas grand-chose en plus. L'intelligence artificielle est capable de tout. Donc en gros, la compta ne nous coûte rien. Parce qu'un comptable, c'est environ, pour un indépendant, s'il ne se moque pas de vous, c'est 1 200, 1 500. Allez, en tout cas, c'est 1 500 par an. Vous pouvez en trouver des moins chers, mais en moyenne. Et là, ce ne sera même pas 500 €, ce sera 300 à peu près, et vous serez remboursé en impôts, quasiment 300 €. Vous êtes, comment dire ça, vous payez grâce à l'intelligence artificielle presque rien pour que votre compta s'édite. Le fait que votre compta s'édite permet d'aller chercher toutes les pratiques encore qui suivent derrière, donc c'est une condition. Mais le peu que vous payez pour que cette compta s'édite, eh ben vous êtes aussi récompensé par l'État, c'est un crédit d'impôt, sous forme de crédit d'impôt, donc on vous donne de l'argent pour vous récompenser de tenir une compta claire, précise, et de faciliter la vie de l'État. En gros, c'est pour ça qu'ils ont mis ce crédit d'impôt-là, pour inciter les gens à le faire. Et aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, ben, on a la chance que le crédit d'impôt et le coût de la compta s'annulent. Donc en fait, c'est du tout bénef. Et c'est possible aujourd'hui, en 2020, grâce à tous les outils qui existent. Tombe 2, j'accélère un peu. Hop. Ah, on en parlait tout à l'heure, les déplacements... Vous vous déplacez de client en client, c'est vraiment le, voilà, vous avez vu, moi j'avais mon vélo avant, mais c'est vraiment le béaba du coach en général, on se déplace hein, très souvent de client en client, et ben l'État nous défraye pour ça, il existe 3 façons de faire, en moyenne, on est sur du 3 000 d'économie annuelle, je vous parle d'économie, parce que pas de, pour ceux qui connaissent, on va pouvoir déduire ça, bref, vraiment l'économie finale en URSSAF impôt, elle est de 3 000 € en moyenne annuelle par rapport aux déplacements lorsqu'ils sont déclarés, en faisant la moyenne de 3 pratiques possibles, et en général un coach, normalement, quoi, qui vit de son activité, il est entre 1 000 au mois, kilomètres, et 2 000. Donc, on a tapé dans le milieu. Le nettoyage, c'est pareil. Je suis coach, je me déplace, certes, mais aussi, bah, je suge, j'abîme mes tenues, etc. Et j'en ai besoin pour bosser. Et bah, le nettoyage, l'entretien, plus que le nettoyage de ces tenues-là, je peux être défrayé par l'État, en moyenne 852 € par an de défraiement que je perçois. Soit qu'ils viennent en déduction de ce que je dois payer d'URSSAF et d'impôts, je touche de l'argent, je reçois des virements. Avant, c'était des chèques, maintenant, ils font des virements pour nous payer ça. Le logement, c'est pareil. Vous êtes en train de suivre ce webinaire, vous êtes peut-être chez vous. Vous utilisez, il commence à faire beau, mais chez moi, encore froid, du chauffage de chez vous, de l'électricité de chez vous, alors que c'est fait pour bosser. Enfin, c'est de l'électricité, c'est de l'Internet que vous utilisez pour bosser. Donc, en échange, vous allez avoir un dédommagement, là aussi, en réduction d'URSSAF impôt ou en remboursement d'URSSAF impôt si vous n'en payez pas assez. Et là aussi, ça va dépendre de votre coût, du logement, etc. Mais j'ai fait la moyenne d'une quinzaine de VIP qu'on a. On est sur 984 € par an de réduction d'URSSAF impôt ou d'économie. Vous voyez, les 7352, vous commencez à comprendre d'où ils viennent. Il y a un petit couac, c'est pas grave. L'autolocation, c'est le fait carrément de se louer à soi-même une part de son logement. Là, on rentre, il faut vraiment... Mais ça s'automatise aussi. Donc, une fois que c'est mis en place, c'est pas mal. Et on est sur 813 € en moyenne d'économie.
Le temps de formation, je vous en parlais, vous pouvez vous faire payer une formation à 100%. Nous, nos formations, par exemple, elles sont éligibles à multiples et divers financements. Mais au-delà du coût de formation, si ça se trouve, il vous est payé en entier, et bien vous passez du temps à vous former, c'est du temps où vous ne travaillez pas pendant ce temps. Et bien vous êtes comme un salarié serait payé par son patron pendant qu'il est envoyé se faire former, il continue à toucher un salaire. Bien vous, vous êtes payé par l'État. Alors, ce n'est pas un salaire, mais c'est quand même bien de l'avoir. Ça va jusqu'à 901,60 €. Nous, chez nous, nos formations, vous allez obtenir, on fait en sorte que vous obteniez 901,60 € de paiement par les impôts, même si vous ne payez pas d'impôts. Parce que vous passez du temps à vous former et que pendant ce temps, vous ne pouvez pas travailler. Un dédommagement, en fait. Au niveau de la retraite, c'est pareil. Je ne sais pas, la retraite, c'est client, souvent, comme tu dis. Moi, je suis plutôt de la team. De toute façon, la retraite sans mauvais, je préfère me la faire tout seul. Donc, je vais économiser un max sur la retraite générale qu'on me demande à travers mes URSSAF. Et donc, je vais m'exonérer de cotisation retraite complémentaire. Il y a plusieurs niveaux de retraite. Je ne peux pas vous entrer en détail. Il y en a une qui s'appelle complémentaire. On va pouvoir s'exonérer et elle va jusqu'à 3 079. Donc, on peut économiser jusqu'à 3 000 à l'année de cotisation URSSAF liées à cette retraite complémentaire. Et si on le souhaite, les réinvestir dans un système personnalisé qui, normalement, sera plus rentable ou en faire autre chose. Après, c'est le choix de... Comme je vous disais, pour aller dans l'optimisation, c'est bah, OK, qu'est-ce que j'en fais de ça? Sa trésorerie, c'est une notion peut-être qui ne vous parle pas trop. Je fais rentrer de l'argent, j'en fais sortir, il y a ce sur quoi je suis taxé. La trésorerie, c'est l'argent qui dort sur le compte bancaire en quelque sorte. Je peux me payer avec ou bien si je commence à gagner bah, grâce à toutes ces optimisations, par exemple, plus que ce que j'ai vraiment besoin pour vivre, bah, je peux en garder une partie gelée et en échange, pas d'URSSAF, pas d'impôt dessus. C'est comme si une partie de mes revenus... Je les déduisais, je ne les déclarais pas, du coup, c'est légal. J'ai le droit de ne pas les déclarer parce que je les reporte pour plus tard. La marque, on peut, voilà, aujourd'hui, je m'appelle Manuel Dessals, j'ai plusieurs marques. Il y a Perfenfit qui va être celle que vous entendrez peut-être le plus. Et ben, je peux me louer à moi-même ma marque. Et c'est en moyenne 813 € d'économie à l'année. Et ça, je vous en ai parlé tout à l'heure parce que j'avais confondu les choses. C'est la prime pour la création d'emploi, je vous dis, jusqu'à quasiment 600 € d'emploi à domicile ou d'emploi de garde d'enfants, etc., que vous pouvez en plus faire défrayer sur vos URSSAF impôts. Donc, c'est tout un système qui se met en place, qui se goupille. Et quand on met tout ça, ou pas tout ça, d'ailleurs, je vous prends l'exemple de Benjamin, il n'a pas tout mis parce qu'il a des projets IMO. Lucas, je ne me rappelle plus. Et ben, quand on met en tout cas ce qu'on a envie de mettre en place, on va chercher ces 7 352 € en moyenne d'économie. Vous avez encore d'autres exemples ici. Ça marche pour tous les coachs sportifs parce que c'est du texte de loi, tout simplement. Le plus complexe entre guillemets dans tout ça et d'où cette mise en garde, c'est de pas s'en arrêter là et d'avoir les yeux qui brillent. Moi, je l'ai fait pendant un temps parce que bah, vous imaginez, ouais, j'économise plein pot, c'est génial, c'est ce qu'il me faut. Et puis, je m'en suis mordu les doigts pour après bah, acheter, vivre en famille, tout ça. Bon, au début, on était serré dans un petit appart avant bah, de régulariser la situation parce qu'il y a des choses qui marchent mais qui sont moins bien vues par les instances puisque bah, ils sont tous copains, les banques servent l'État, etc., etc. Donc après, il faut arriver à optimiser ça, à ajuster en fonction de mes projets de vie et rentrer vraiment dans l'optimisation. J'ai un projet IMO, si je défiscalise, la banque, elle ne va plus me suivre. Ouais, mais si je paye moins de cotisations, j'ai moins de retraite. On veut avoir un enfant d'ici 1 ou 2 ans, ça peut y jouer aussi dessus parce que si vous payez vraiment peu, admettons qu'on défiscalise comme des porcs, et ben les congés maternité, paternité, ils vont être à 5 € par jour. C'est les minima. Et je ne pense pas qu'une maman qui vient d'accoucher, qui ne peut pas travailler, elle soit contente d'avoir 5 € par jour pendant 4 mois d'arrêt. Donc, il y a ça à prendre en compte quand on cherche l'optimisation pour ne pas rester sur la seule défiscalisation qui, en fait, bah, on gagne d'un côté, on perd de l'autre. Ça se fait, mais c'est des stratégies à mettre en place à travers bah, une vraie réflexion derrière. Je veux racheter une salle de sport d'ici 3 ans, pareil, etc. Et bah, c'est là qu'il va falloir se pencher avant même, je dirais, de mettre en place, une fois que j'ai pris connaissance de tout ça, bah, sur OK, mais sous quel statut et pourquoi en fait? C'est quoi vraiment mon projet derrière? Gagner de l'argent, c'est bien, mais il va me servir à quoi? Pourquoi? Et comment je fais pour que ça serve mon projet et non pas l'inverse? Mieux vaut réfléchir avant d'agir que regretter après avoir agi. Je suis sûr que vous ne connaissez pas Démocrite d'Abder, moi non plus, mais j'aime bien ce qu'il dit. Donc, je vous l'ai mis ici. Donc, pensez à automatiser les choses parce qu'on veut rester coach sportif. Quand on passe par tout ça, l'idée, c'est pas bah, d'après faire de la paperasse, faire de la compta sans cesse, même si ça devient excitant à force parce qu'on y prend goût à gagner de l'argent. Mais automatisons. On met en place, on automatise, on n'en parle plus. Et adaptons. Peut-être que voilà, moi, aujourd'hui, je n'applique pas les 24 pratiques. Il faudrait que je regarde. La dernière fois, j'en appliquais 19. Mais il faudrait que je regarde où j'en suis. C'était il y a 2 ans. Mais adaptons pour que ça serve nos projets. Du coup, je vois que la vidéo ne se lance pas, c'est dommage. Du coup, nous, on a un outil. Ah, elle se lance. On a un outil, comparateur de régime, parce qu'à la base, il servait à ça. Bientôt, il va être transformé en vrai calculateur, mais
aujourd'hui, on a encore besoin de l'humain. Je ne peux pas l'automatiser à fond. Donc, on utilise ce comparateur avec des données, vous voyez, sur votre chiffre d'affaires, frais bancaires, votre situation de véhicule, de nombre d'adultes dans votre foyer, vraiment votre situation perso. L'équipe, on discute, on vous remplit ça et il en sort un résultat entre ok, bah, votre meilleure situation, elle se trouve là, alors que toi, tu te trouves là et la différence entre les deux, elle est de combien? Elle est en moyenne de 7352, mais elle va être de 4000, elle va être de 6000, elle va être de 10000. Et bah, c'est en gros les économies que vous pouvez générer sans changer de façon de bosser, sans aller chercher de nouveaux clients, sans augmenter vos tarifs, choses comme ça, mais en structurant votre façon de faire, en allant chercher vos droits et en automatisant, et bah, chaque année, vous continuerez à bosser comme vous bossez aujourd'hui, mais avec 7000 de plus dans les poches, en moyenne. Ça, c'est pour savoir avec justement combien de plus dans vos poches. Donc, spécialement pour vous, c'est ce que je vous disais, on l'offre cet audit aux membres de réussir son BPGEPS. Il vous suffit, bon, je crois que vous ne pouvez pas cliquer là. Moi, je peux, mais je ne sais pas où. Mais sinon, de scanner ça, vous allez tomber sur le calendrier de mon équipe. C'est offert, ça dure 15-20 minutes en général. Donc, vous choisissez quand vous voulez. Et un membre de mon équipe analyse votre situation et vous en ressort. J'aimerais pouvoir l'avancer, mais en gros, avec un résultat. Okay, bah, dans ta situation, il n'est peut-être pas temps d'optimiser. On se revoit plus tard. Continue comme ça, tu travailles bien. Ou bien dans ta situation, si on optimise maintenant, tu es dans un cas où tu peux le faire rétroactivement. Donc, chaque mois, 500 euros par exemple. Et on peut revenir, il y en a en ce moment, jusqu'à fin avril, on peut revenir depuis janvier sur ce qui a été fait depuis janvier. Après fin avril, l'année est trop avancée. Les URSSAF et les impôts nous disent, ouais, ben, ce sera l'année prochaine. Enfin, pas tout, mais certaines pratiques ne se feront que l'année prochaine. Certaines pourront encore se faire. Mais en tout cas, là, on peut encore tout faire jusqu'à janvier. Donc, voilà, ils vous diront, bah, dans votre cas, ça fait 4000 d'économie. Dans votre cas, ça fait 7000. Donc, n'hésitez pas. Frédéric, il a négocié ça pour vous. C'est un petit audit offert avec des membres de mon équipe pour que vous voyez eh ben, c'est quoi la meilleure voie à emprunter pour partir sur la bonne voie tout de suite. Ils sont là pour vous apprendre, entre guillemets, vos économies possibles et pour vous dire, OK, elles se jouent principalement sur ton statut ou sur ci ou sur ça. Donc, pars plutôt sur ce statut-là ou si tu veux te lancer là, dans 3 mois, bah, fais attention à ça. Toi, c'est plus sur le loyer. Donc, commence à déclarer ton loyer comme ça dans tes impôts parce que ça va y jouer. Au moins, que vous partiez sur le bon pied. C'est ça vraiment l'idée que Frédéric voulait qu'on mette en place et que du coup, j'ai accordé. Il vous suffit de scanner ça et peut-être que vous tomberez avec moi. Peut-être que vous tomberez avec Baptiste, avec Muriel qui sont de mon équipe. Mais en tout cas, on est tous aussi compétents pour vous renseigner sur ça. Merci. Je crois que je n'ai pas trop dérivé. Je suis allé vite. Ah non, t'es bon parce qu'effectivement, on s'était donné 3 quarts d'heure max, là, t'es à 40 minutes. Et encore, il y a eu 5 minutes au début. Donc non, t'as été rapide. Ça a été vraiment dense en information. J'espère que vous avez apprécié. Moi, j'avoue que ça fait 8 ans que je suis coach sportif indépendant. Et voilà, effectivement, j'ai mis en place une partie de ces mesures, mais certaines que je ne connaissais pas. Pourtant, ça fait quand même un petit bout de temps que je suis dedans. Et donc, Manuel vous a vraiment donné énormément d'informations de qualité. En plus, il a été assez transparent sur tout, hein, même avec les lettres types et tout ça. Donc, merci beaucoup pour cette densité d'informations qualitatives que tu as. Plaisir. Après, j'aurais aimé creuser plus, mais comme je vous dis, il y a des choses qui dépendent énormément de votre foyer. Moi, aujourd'hui, je suis propriétaire, je ne peux plus faire certaines choses, je peux en faire d'autres. Ça dépend énormément, donc c'est pour ça qu'on propose ces audits. Après, ce que j'ai pu vous présenter, n'hésitez pas, hein, vraiment. Vous allez voir que ça ne vous engage à rien. Faites ce courrier et vous aurez le résultat qui va tomber. Et par contre, j'aimerais bien, voilà, si vous avez des résultats qui tombent, le savoir. N'hésitez pas à le faire savoir à Frédéric. Moi, j'en serais content. Ouais, carrément. Des fois, juste une petite parenthèse issue de l'expérience un peu personnelle. On a parfois peur un peu d'envoyer des lettres, etc., aux impôts. Parce qu'on se dit, s'ils commencent à avoir notre nom, ils vont avoir le fouet derrière, ils vont aller me chercher, ils vont aller me matraquer et tout. Et en fait, non, quoi. Enfin, c'est des gens un peu comme vous et moi qui sont derrière, ils sont humains aussi. Enfin, et puis, en fait, ils interviennent que si vraiment ça sent le roussi, si vraiment c'est abusé. Enfin, en fait, il n'y a pas de problématique à les contacter. C'est de la communication. Ce que je dis souvent à ceux qu'on accompagne, c'est de la communication dans les deux sens. C'est de la communication parce qu'il y a parfois aussi, vous avez des droits. C'est dans vos droits, vous allez le demander, ils vont vous dire non. Et là, la première réaction humaine, c'est de se dire « il m'a dit n'importe quoi, ça ne marche pas » ou bien de se dire « putain, je suis dans la merde, j'y comptais dessus ». En fait, parfois, vous avez juste un non parce que la personne en face qui a lu a mal compris, n'était pas encore informée, etc., etc. C'est juste de la communication. Parfois, on a aussi des têtus. Il n'y a pas longtemps, là, ça se décante avec Paul qui est avec nous pour les histoires de TVA dont je vous parlais. Et ben, il a vu refuser. En face, le gars il a dit « j'en demanderai pas, vous n'avez qu'à faire un rescrit fiscal ». Il pensait qu'on ne le ferait pas. Un rescrit fiscal, c'est aller chercher les interprètes des impôts pour qu'ils se prononcent sur le truc. Ben, on a fait le rescrit fiscal, ça a pris 3 mois, ils se sont prononcés. Et noir sur blanc, le monsieur il a dit « ok, ben, je me plie ».
Parfois, on est obligé d'aller jusque-là, mais c'est 1% des cas. Et le reste du temps, comme je vous dis, c'est de la communication. Ça arrive à Sébastien que vous avez vu. Je ne l'ai plus ici, mais Sébastien qui avait la casquette là sur la photo, il s'est fait refuser l'exonération de CFE. Et dans les explications du pourquoi, ça n'avait rien à voir. Parce que la personne, elle a l'habitude de recevoir une demande d'exonération au niveau sportif, par exemple, de sportifs pro. Ils ont une exonération qui est spécifique à eux, les sportifs pro. Elle leur a dit, vous n'êtes pas enregistré sportif pro, j'ai refusé. Il ne fallait pas s'arrêter dessus, c'est juste que la dame, elle a lu en diagonale. Donc on reprécise, on communique, ah pardon, tac, et puis il l'a eu plus tard. Mais ça arrive, c'est de la communication, il ne faut pas avoir peur, comme dit Frédéric, vous avez des gens en face de vous qui sont comme vous et moi. Ma mère a bossé longtemps dans, c'est pas la sécu sociale, donc nous on ne s'adresse pas à eux, mais les URSSAF c'est un peu pareil. Ben voilà, ça pourrait être ma mère à qui j'écris des fois, c'est des gens qui bossent là-bas, qui reçoivent les courriers, qui répondent comme on leur a appris, parfois ça ne matche pas. Donc on discute, on communique, ils ne sont pas méchants en général. C'est ça. Donc, bah, si vous avez des questions là, n'hésitez pas parce que on peut vraiment vous répondre, que ce soit Manu ou moi. Juste, je regarde la Sacha. Je ne sais pas si on a répondu à ta question. À un moment donné, tu demandais donc c'est combien par an la CFE. Après, juste en dessous, tu mettais DAC, merci. Si on enseigne en extérieur ou on loue une salle pour interrogation. Alors, je ne sais pas si c'est lié à la CFE. Est-ce que si on enseigne en extérieur, c'est bon. Tu peux te faire exonérer de CFE. Si tu loues une salle. Comme on disait, ça va dépendre qu'est-ce que tu loues. Moi, il y a eu un temps, je louais l'association de quartier d'à côté. C'est bon, il n'y a pas mon nom dessus, il n'y a pas mes horaires de cours et il y a le strict minimum, c'est-à-dire que dans un coin, il y a des tapis pour que je les mette et on faisait du pilates. Puis après, on rangeait les tapis et il y en a d'autres qui venaient, il y a les écoles qui viennent et j'en passe. Donc, comme disait dans le texte, si ce n'est pas spécifique, si tu loues un basic fit, si tu loues un fitness park, bah là, clairement, c'est équipé de matériel spécifique, c'est commercial, ça ne marche pas. Cependant, on a beaucoup de coachs de Basic Fit qui font de l'optimisation parce qu'ils sont dans une situation très, très facilement optimisable pour le coup. Et il y en a certains bah, pour qui c'est passé. Ils ont fait le courrier au culot et ils sont vus accepter. Bon, normalement, non. Voilà, j'espère que ça répond à ta question, Sacha. Donc voilà, donc n'hésitez surtout pas là si vous avez des questions, c'est le moment. Je vois qu'il y a Jackie qui paye 156 euros à l'année de RC Pro. Ben, tu vois, tu peux aller chez la MAF faire le devis. La MAF s'occupe de la transition. Par contre, il y a des dates anniversaires. Donc, peut-être que ta date anniversaire, elle est bientôt. Tu vas pouvoir vite changer. Peut-être que tu viendrais enquiller pour un an. Bon, ça, il faut que tu regardes. Mais la MAF, si tu fais le devis chez eux, tu leur dis, mais actuellement, je suis chez je ne sais qui. Ils feront la transition pour toi, mais à la date qui va bien. Ça fait 75 euros à peu près, un peu plus d'économie. J'aimerais développer un e-shop pour vendre des articles de sport, calisthénique, ok, style barre parallèle, en plus des coachings. Comment on prend en compte ces revenus-là? Ça se complexifie un peu. Déjà, dans ton cas, pas de statut auto-entrepreneur, tu ne vas pas pouvoir passer facilement, en tout cas, tes achats-reventes. Ça va être plus le bordel qu'autre chose. Et tu peux avoir plusieurs activités sur un même statut. Donc, l'idée, c'est d'ouvrir une deuxième activité. Depuis 2023, c'est le site procédure-au-pluriel.inpi.fr pour tout ce qui est déclaration de ce type-là. Tu ajoutes une activité sur ton entreprise d'achat-revente. C'est ça, je pense, c'est vendre des articles. Donc, c'est de l'achat-revente. Là où ça se complique un peu, c'est que ce n'est pas de la prestat de service BNC. Alors que le coaching, c'est de la prestat de service BNC. Donc, au niveau optimisation, tu vas pouvoir faire plein de choses, comme on le voit ici, tu vas pouvoir faire les 24 pratiques, mais rappelle-toi, il y en a qui vont nécessiter une tenue comptable. Et maintenant, tu auras deux à faire, parce que tu auras une tenue BNC et une tenue BIC. C'est parce qu'on les automatise, mais c'est plus long à mettre en place, parce qu'il faut aller faire double déclaration. Et du coup, c'est un peu plus long dans les paramétrages, dans la mise en place, et après, pour gérer ton budget, parce que toi, tu auras un seul compte en banque où il y a tout, mais il faudra que les deux soient séparés. Ça s'automatise bien, mais voilà, c'est un peu plus large. Non, surtout pas SARL ou ça. tu devrais passer par l'audit. Entre les deux, il existe la décla contrôlée. On t'en parlera beaucoup là-dedans si elle correspond, mais c'est à mi-chemin entre les deux. C'est-à-dire que tu as la simplicité de gestion et de rémunération surtout d'un auto-entrepreneur sans... la simplicité du coup, et en même temps les droits que peuvent avoir des sociétés à déduction d'achat, à optimisation de certains points, etc. etc. Tu es vraiment entre les deux, et la différence, pour le coup, moi j'ai plusieurs SAS et une SASU, j'enferme une parce que c'est super chiant de se rémunérer. C'est-à-dire que si ton entreprise, si c'est une société, elle fait 20 000 euros à l'année, voilà.
20 000 euros qui va rester de bénéf. Hein, je te parle, elle fait 40 000, elle dépense 20 000, achat, revente et j'en passe. Il va rester 20 000. Pareil sur ton auto-entreprise ou ta déclat contrôlée. Tu vas faire tes optimisations. Il y a plusieurs façons d'optimiser. Baisser le chiffre qu'on déclare alors qu'on a de l'argent. On a 20 000 sur les comptes. On va mettre des pratiques d'optimisation en place pour que je ne déclare que 12 000, admettons. Et il y en a d'autres, c'est vraiment le taux appliqué sur ces 12 000 qu'on va pouvoir changer. Bon, je vais baisser à 12 000. Et bien, au niveau de la société, si sur mon papier, je baisse à 12 000 alors que j'ai 20 000 sur les comptes, et bien, je vais pouvoir me payer qu'avec 12 000. Et quand je vais me payer, je vais avoir des charges dessus et je vais toucher 8 000. Alors qu'au niveau de la déclat contrôlée, je baisse à 12 000. J'ai 12 000 sur le papier, je suis taxé sur 12 000, mais j'ai 20 000 sur les comptes, je peux prendre 20 000. Et la différence, elle est énorme du coup au niveau rémunération. Donc, éviter les sociétés. De mon point de vue, les sociétés dans les activités sportives, elles deviennent intéressantes si je dois. Si je veux, c'est une chose, mais bon, si ça me tient mal dans le pied, mais si je dois m'associer à quelqu'un, parce qu'en entreprise individuelle, bah, c'est individuel, si je dois m'associer à quelqu'un, et si je fais appel à des fonds, des investisseurs, parce que j'ai un gros projet qui nécessite dès le lancement d'avoir 300 000, 1 million d'euros de lancement pour faire je ne sais quoi, des salariés et des trucs, bah, je vais devoir faire une levée de fonds ou avoir des investisseurs, et ils ne vont pas investir dans une entreprise individuelle parce que c'est comme investir sur une personne, c'est trop risqué. Moi-même, j'investis dans des startups, je n'investirai jamais sur un entrepreneur individuel. On investit sur des sociétés parce qu'on peut prendre des parts dans une société. À part ces deux raisons-là, dans l'entrepreneuriat de prestations sportives, on est beaucoup mieux en entreprise individuelle. Pardon, je me suis un peu épanché, mais... Non, c'est très bien, je confirme tout à fait ce que tu dis. Voilà, effectivement, à moins que vous ayez une startup à créer, auquel cas, effectivement, c'est intéressant de créer une société parce qu'après, vous pouvez faire appel à des fonds, à la BPI, etc. Sinon, dans nos cas, à nous, effectivement, URL... Alors, l'URL n'existe plus. Le I vient remplacer tout ça. Dans notre cas, ça va être la déclaration contrôlée. Mais... c'est pas la déclaration contrôlée qui fait la magie. C'est pour ça que j'en ai pas trop parlé pendant cet exposé. La déclaration contrôlée, ça te coûte plus cher que l'auto-entreprise si tu ne fais que l'ouvrir et que tu fais tout comme avec une auto-entreprise. Là où ça va te coûter vraiment rien du tout, et on a John, vous pourrez aller voir sur mon profil, vous pourrez le trouver. John, il est à 3,88, c'est ça. 3,88% d'URSSAF sur son chiffre d'affaires. Mais de base, il aurait ouvert sa déclat sans changer sa façon de bosser d'avant. Donc, sans la défisque et l'optimisation, bah, il aurait été à 30 peut-être pour son URSSAF. Donc, ce n'est pas le statut qui fait la magie, c'est ce qu'on en fait. C'est ce qu'on en fait derrière. Et c'est vraiment ça qui est important de retenir. Et en auto-entreprise, on peut aussi optimiser. D'ailleurs, je sais que c'est la question qui vient souvent après quand on en est à ce stade de discussion. En auto-entreprise aussi, on peut optimiser. Pour autant, admettons que je puisse optimiser 2000 d'économie en auto-entreprise et 4000 en déclat contrôlé, autant changer. Je peux optimiser 2000 dans les deux, bah ça va être une question de confort. C'est peut-être plus simple auto-entreprise. D'où ces mini-audits, encore une fois, qu'on propose. Ça passe par tout. Ça passe par le statut, les pratiques, la situation, et on en ressort le truc. Celui qui va vous dire c'est ça le meilleur statut, passe dans ce statut, c'est ça le mieux, bah, il va soit vous mentir, soit il lui manque des infos parce qu'il n'y a pas de statut magique, ça dépend de vous. Exactement. C'est spécifique à chacun. Donc, effectivement, vous pouvez appliquer certaines des pratiques si vous avez une auto-entreprise, mais pas toutes. Voilà. Pas toutes. Voilà. Ben après, celle qu'on vient de voir, par exemple, peu importe. Enfin, si l'exonération de CFE, vous ne l'aurez pas en société. En société, pas d'exonération de CFE, pas d'exonération de TVA. En fait, vous passez dans tout ce qui est exonération pure et dure. On ne paye pas. Pas d'exonération non plus, la fameuse retraite, si je veux la placer plus tard. Tout ce qui est exonération en société, c'est mort. Parce qu'en fait, c'est des simplifications que met l'État pour les indépendants. Pas parce qu'il veut être gentil avec les indépendants, mais parce que l'indépendant qui travaille avec des particuliers en direct, eh ben, c'est celui qui a le plus de suspicion de faire du black. Et pour éviter ça, ben, on nous facilite la vie, ça nous incite à déclarer malgré tout et pas à se dire « putain, il y a des taxes dans tous les sens ». Non, je suis exonéré, j'en ai pas trop, autant le déclarer, ça me permet d'être bien vu de la banque, d'avoir mes trucs, parce que c'est pas trop contraignant. Une société... en général, ça peut être un indépendant, mais ça reste une société commerciale. On enlève tous ces droits-là, tu payes tout. Quand en société, on en fait moins aussi. Ok, très bien. Alors, je ne sais pas si vous avez encore des questions. Sinon, on va clôturer le webinaire. Je laisse encore une minute peut-être si vous avez des questions à poser. Bon, en tout cas, je vois que quasiment tout le monde est resté jusqu'au bout, donc c'est que c'est vraiment a priori c'était intéressant ce que tu as indiqué. Merci.
N'hésitez pas, hein, vous l'avez ici. Et j'aimerais bien, je suis dans la boucle. Vous pourriez tomber sur moi, donc quand vous arrivez, n'hésitez pas à me dire que vous avez regardé, puis je répondrai à vos questions. Que ce soit moi ou pas, on répond tous à vos questions. Exactement. Donc, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Donc, je vais clôturer ici ce webinaire. Donc, vous allez le recevoir automatiquement en replay par boîte email. Et donc, quelques jours, je pense, je mettrai sur la chaîne YouTube également. En attendant, merci à vous pour votre participation parce que je vois que quasiment tout le monde a répondu au sondage. Il y a eu des questions super intéressantes et pertinentes. Et puis, merci à Manu pour le temps qu'il a consacré comme ça à vous exposer des années de recherche sur le sujet et puis parce que franchement ça a été dense, c'est vraiment intéressant. C'était donc dense, vraiment, n'hésitez pas à refaire le replay parce que c'était dense. Ouais. Et je vous souhaite une très bonne après-midi à tous alors et à bientôt sur Réussir sans RPGEPS. Ciao.